Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et plus particulièrement sur l'édition Vainqueur Suprême. C'est une édition du bloc Platine qui est sortie le 11 février 2010. Et cette édition, elle comprenait 153 cartes sur 147, c'est-à-dire qu'il y avait noté sur chaque carte 147 cartes, mais il y avait des cartes en plus qui étaient des cartes spéciales. Voilà, les amis, on continue notre tour d'horizon de l'histoire des cartes à jouer Pokémon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, il suffit de cliquer sur s'abonner. Et puis, vous verrez très bientôt aussi de nombreuses autres vidéos sur les cartes à jouer Pokémon, ou sur des ouvertures de boosters, et aussi sur d'autres catégories de cartes. Voilà, donc là, en attendant, on va ouvrir ce classeur qui est de cette édition Vainqueur Suprême. Donc, une édition qui a quasiment 10 ans, comme vous pouvez voir, ce classeur que l'on a, classeur platine, du bloc platine. Alors, on a des cartes qui sont en état, on va dire moyen pour certaines, mais on a généralement une grande majorité de cartes en très bon état. Donc on va faire un tour d'horizon de cette édition afin de vous présenter les cartes qui composent cette famille Vainqueur Suprême. Donc le petit logo de l'édition qui est ici, que l'on peut voir ici, et on veut voir bien, c'est la première carte sur 147. Donc voilà le logo. Et donc on va faire le tour avec Absol en reverse rare, Brassegali. Celle-là elle est abîmée, une carte un peu abîmée. On a complété la collection comme on pouvait, mais par contre, bon, c'est un classeur d'origine qui est aussi légèrement abîmé. C'est assez dur de retrouver des classeurs qui ont 10 ans en bon état. C'est vrai que c'est pas facile. Par contre, les cartes, il y en a très peu qui sont abîmées. Les autres sont plutôt en état soit correct, soit en état near mine, sortie de booster quasiment. Et comme vous pouvez le voir, on a quand même une bonne partie de la collection Fusion, Camerupt. On a aussi beaucoup de cartes reverse. Donc la ringue là, vous voyez Dracaufeu, c'est Dracaufeu là qui est une rare reverse. On a Echo, Eoko, Kaorin en reverse, Colomar aussi, Dodrio, Noctunoir, Pingoléon. Rien que sur cette page, on a 3, 4, 7 cartes reverse sur les 9 cartes de la page. Voilà, et comme vous voyez, la plupart des cartes, donc c'est des cartes en français, en version française, et qui sont en état near mint. Charmina, encore une reverse. C'est les rocs par insectes. Donc là, on est toujours dans les rares. Alors, le début de la famille, je crois, était composé que de rares. Donc là, on a que des rares, quasiment que des rares reverse. C'est vraiment impressionnant. On en a encore. Sur cette page, on en a 6. Hein. Elles sont en état super bêta. Continue. Spinda. Elector. Toujours une rare reverse. Altair, Canin, Castorno. Là, on continue. Là, on arrive aux cartes qui sont peu communes. Donc on a commencé par les rares, et ensuite on enchaîne sur les peu communes, et après ça terminera par les cartes communes. Toujours autant de cartes reverse. Alors je pense que dans cette famille, déjà on a une grande partie de la famille, mais en plus on doit avoir au moins la moitié des cartes qui sont en reverse. Et puis en super état, vraiment, elles sont neuves, sorties de booster. Raichu. Attaque. Relicante, Rhinophéros, rien qu'encore dans cette page, 1, 2, on a 7 cartes reverse à nouveau. Celle-là, c'est vraiment une famille magnifique. Visma, Hermure, Spirit Tombe, Étourvolt, Ogegis, Wenmer. Voilà, là on est dans les cartes communes, hein. Petite précision. Dans ces anciennes familles, comme vous pouvez le voir, tout est mélangé, tout type. Les anciennes familles étaient classées par rareté. En premier, les rares. Enfin, après, bon, il y a différentes catégories. En second, les cartes peu communes. Et en troisième, les communes. Depuis, dans les dernières éditions, ils ont classé les cartes par catégorie. Eau, électrique, plante. Plus dans ces types d'énergie, en fait. Encore une carte Pikachu, une commune. Voilà, on continue de faire le tour. Toujours. Alors, comme vous voyez, les cartes, toutes les cartes se suivent. On a quasiment toutes les cartes de l'édition. Là, on est à Ragdo, c'est la 130. On continue. Et puis là, on arrive au terrain. Au dresseur. Donc, Stadium.
commune. Les supporters. Celle-là, elle est abîmée. Enfin, il y a très très peu de cartes abîmées. Il nous en manque quelques-unes. Et voilà, sur la fin de la collection, on arrive aux cartes X. Donc, c'est les cartes ultra rares des anciennes éditions. Et là, on va commencer par Brassigali. Niveau X. Voilà, comme vous voyez, une très 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 belle carte. Très rare à avoir. Et puis, on enchaîne les niveaux X avec Karchakrok, Rayquaza et Etouraptor en niveau X. Donc, on a sous les yeux 3 cartes niveau X. Voilà, donc, elles sont magnifiques. Ces cartes sont très difficiles à avoir. Toutes, elles valent très cher. Et on a les cartes spéciales. Et là, on a la chance d'en avoir deux. On va commencer par Sulfura. Comme vous pouvez le voir, c'est la numéro 149 sur 147. Et on a même la troisième carte, la 150. C'est Elector. Donc, ce sont des cartes qui sont holographiques et qui sont spéciales. Donc voilà. Donc là, rien que sur cette page, on pouvait voir 3 cartes niveau X et 2 cartes spéciales. C'est vraiment une belle édition. On a la chance d'avoir quand même de très très belles cartes dans cette famille. Voilà, donc les amis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que je vais continuer à remonter dans l'histoire des cartes Pokémon tout en allant vers le set de base qui sera la version finale. Et donc on va parler de chaque famille, des cartes qui les composent. Et puis faire un petit topo sur chaque famille une par une. Donc, et puis bon, sur la chaîne, vous trouverez vraiment, vraiment de nombreuses autres vidéos sur d'autres thèmes. Ça peut être très intéressant. Voilà, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Et ça sera donc l'image finale de cette famille avec ces 3 cartes niveau X que vous voyez ici. Et les 2 cartes spéciales sont des cartes très, très recherchées. Voilà, les amis, à bientôt pour une nouvelle vidéo.